Salut tout le monde, c'est Hugo et aujourd'hui je vais vous montrer une manière d'améliorer considérablement la qualité audio de votre casque ou de vos écouteurs Bluetooth si vous êtes sur Windows. Donc j'ai connecté ce casque directement à mon PC et on va faire la manipulation ensemble. C'est vraiment très simple, ça dure pas super longtemps. Donc il vous suffit juste d'aller dans les paramètres de son dans la barre d'état juste ici. Et ensuite, vous allez faire un clic droit dessus, vous faites son et ensuite vous aurez normalement une petite fenêtre qui va s'afficher. Vous allez avoir l'onglet lecture, enregistrement, son et communication. Il vous suffira donc d'aller dans lecture. Une fois que vous êtes dans lecture, il suffit de chercher votre périphérique. Donc ici, j'ai le casque Mixcoder E9 de connecté. Et il vous suffit d'aller voir le périphérique stéréo. Généralement, si vous avez un périphérique Bluetooth connecté, vous aurez la possibilité entre hands-free, donc le micro qui est réservé aux appels, et le stéréo. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le micro stéréo. Vous allez cliquer dessus et vous allez aller dans propriétés juste en dessous. Une fois que vous êtes dans propriétés, vous avez général, niveau, enhancement, statistiques avancées, son spatial. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Enhancement. Et vous allez avoir trois catégories. Donc ici, on a Bass Boost, Headphones Virtualization et Loudness Equalization. Donc pour ce casque-là, moi perso, j'ai assez de basses sur mon casque. Je considère qu'il y en a assez. Donc j'ai décoché Bass Boost. Et Headphones Virtualization, je trouve que c'était pas vraiment utile étant donné que mon casque est assez performant pour le faire. Donc je vous laisse jouer avec ces trois petites catégories. Une fois que vous avez changé tout ça, vous appliquez les changements, vous faites OK et vous pouvez tout annuler. Et ensuite, vous remettez la musique et vous voyez les changements de votre casque ou de vos écouteurs. Je vous laisse mettre dans les commentaires si l'astuce vous a été utile. Et si oui, avec quel casque ou quels écouteurs. Et nous, on se retrouve sur les réseaux sociaux et surtout dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!